Donnez-moi un coca sans glace. Tout de suite, et un coca sans glace, ça marche. Le Clash, c'est sur la chaîne Inslaïgale. On va faire le Clash de la Drague là dans un instant. C'est parti, on prend un t-shirt Sky Théo à la maison. Clash de la Drague avec Cédric Romano, bien sûr, tous les deux, ils sont là et dans un instant. Ils vont nous faire rêver, nous apprendre à draguer. En tout cas, pour ceux qui auraient des problèmes pour draguer, c'est vraiment le moment qu'il nous faut. Vos méthodes du Clash, Cédric, fais-nous rêver. Pas de soucis. Bah, moi, ce soir, j'ai perdu les clés de chez moi. Eh bah, t'es bien con. Tu vois, vous savez que ce week-end, je suis devenu fou. Mais je l'ai dit, Romano, d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai perdu ma télécommande de Canal 5. Et alors, tu l'as retrouvée finalement? Elle était sur ton canapé? Non, elle était dans mon congélo. Mais t'es con? Parce que j'avais fait cuire une pizza l'autre matin. Dans le congélateur. Non, j'avais sorti une pizza du congélateur et je sais pas, je devais avoir la télécommande et j'ai passé, je sais pas, 1h30 à chercher ma télécommande, mais partout. Je devenais fou chez moi, fou. Mais il faut toujours la poser à la même place, moi, elle a un emplacement défini. Ouais, comme ça, tu la retrouves tout le temps. Non, mais moi, j'arrive pas à ça. Ah, ça, moi, je perds tout, mais j'arrête pas de perdre des trucs. J'avais dit un jeu psychologique. Hein? Pourquoi t'es parti avec ta télécommande dans la cuisine? C'est ça la vraie question. Ouais, j'en sais rien. Non, mais des fois, ça arrive, tu vois, ouais. T'arrives jamais du con? Ah non. Non, connard. Bon. Alors, moi j'ai perdu ma télécommande et toi Cédric, t'as perdu quoi? Moi j'ai perdu les clés chez moi. Non, les clés. De vendredi, oui. Mais ferme ta gueule. Ah oui, c'est vrai, Romain. Mais salement, il l'a perdu en plus. Ouais, mais j'ai gagné celui de mercredi. 68-32. Ouais, mais je t'ai niqué lundi aussi. Ouais, bah je t'ai niqué le vendredi d'avant aussi. Bah, tu voulais faire la méthode, j'ai perdu le clash. Non, j'ai perdu les clés de chez moi. Ah, tu fais pas, j'ai perdu le clash? Non, bah là, je veux pas faire ça, non. Ça, ça a jamais été fait. Hein. Ouais, bah écoute, je laisse le faire à l'autre con si tu veux. Bon, alors. Moi, ce soir, j'ai perdu les clés de chez moi, donc je suis à la rue. Mm-hmm. Et du coup, bah je voulais demander hospitalité. Hospitalité aux familles. Appelle la serrurier, tu Ah non, ça coûte cher. Alors, ça, c'est pour Cédric. Et toi, Romano, également appelé l'autre con par ton adversaire, t'as entendu? Ouais, bah moi. Fin de semaine dernière, j'étais à l'anniversaire d'un blaireau. Mais c'était ça. On le connaît ou pas? Ouais. Ah, moi, c'était pas la fin de semaine, c'était milieu. Donc, t'es allé à l'anniversaire d'un blaireau? Ouais, j'ai récupéré quelques litres d'alcool et j'ai volé son cadeau d'anniversaire qui était un gros god. Et je vais aller proposer ça aux familles. J'ai fait marrer. C'est pas mal comme méthode. J'ai fait un peu de récup. Putain, c'est génial ta méthode. Cédric, tu vas être content. T'imagines, je te rends hommage dans ma technique. Mais c'est bien, comme ça, j'en vais voter pour moi. Et on parle encore de ton anniversaire, c'est quand même super cool. Ça ne s'arrête plus. Hein. Bon, on y va tout de suite, c'est parti. C'est l'heure du clash. Oui, parce qu'après, on aura Hervé, le Vendéen. Il est dans l'agressivité, le mec. Pas d'agressivité. Non, mais vendredi, j'ai voulu faire l'after de mon anniversaire. On m'a dit non, faut pas faire, machin. Bah, si, tu l'as fait, on l'a fait. Tu le fais le lundi d'après, quoi. On l'a fait, ton after, t'as perdu le clash. Ouais, écoute, j'espère que ça marchera mieux pour toi, Romano. Attention, la drague est tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Vous arrivez pour le clash, vous tombez bien. Salut Ghost, salut Émilie, il y a Poto du 95, il y a Tino, il y a Winchester qui vient d'arriver. Bonjour à Hacker, vous êtes tous là pour le clash. Bonjour à Nahir, bonjour à Fares, il y a John qui nous salue. Oh, c'est la folie. Il y a du monde, man. Aurélie qui nous embrasse. Ouais. Estelle à qui on fait un gros bisou et qui soutient Cédric et Romano parce que sans eux, mes soirées ne seraient pas les mêmes. Waouh, c'est gentil ça. Un soutien pour tous les deux et le premier coup de téléphone pour Cédric. Romano, ce soir, je compte sur vous, mes amours. Premier coup de téléphone. On va faire la beauté, Cédric. Première famille. Ouais. C'est parti. Eric. Allô. Allô, Eric. Oui, allô. Non, c'est bien. Ah, il a répondu. Non. Moi, j'ai entendu un allô, moi. Moi aussi, j'ai pas dit allô. Même un oui, allô. Non, ça marche pas. Autour de Romano, allez hop. Non, je vais être gentil avec Cédric. Je lui redonne une chance. Merci. Par contre, si au bout de trois fois ça ne répond pas, c'est que ça passe à l'autre. Ouais, je sais, ça va. Donc, il ne te reste plus que deux, là. Me porte pas la poisse. Alors. C'est jamais. C'est qui qu'on appelle? On appelle Jean. Oui, j'écoute. Allô, Jean. Ça va? Allô. Oui, j'écoute. Ouais, bonsoir, Jean. Tu vas bien? Vériste. C'est Michel au téléphone. C'est Michel, un de tes voisins. Je t'appelais parce que j'ai perdu les clés de chez moi ce soir. Donc, du coup, je suis à la rue. Et je voulais savoir si vous pouvez m'héberger pour la nuit. Allô. Allô. Oui, bonsoir, ma belle. Je parlais avec ton mari, là. Il voulait m'héberger ce soir à la maison parce que j'ai perdu les clés de chez moi. Je peux venir à la maison, là? Vous êtes qui? Je me présente, Michel, 1m78, beau gosse, musclé, les yeux bleus, bruns. Et ce soir, je suis à la rue, donc je voulais venir dormir chez toi. Vous êtes sur écoute, oui, je me signale. Pas de problème. Vous êtes sur écoute. Je peux venir te faire un petit câlin? Un blocage. Allô? Vous êtes sur écoute. Oui, bah, c'est très bien, on pourra se réécouter après si tu veux. Oui, non, mais vous êtes sur écoute, on a prévenu les gendarmes. Oui, pas de souci. Tu m'héberges alors ou pas pour la soirée? Oui, c'est ça. Jusqu'à demain. Tu vas être repéré. Bah écoute, ce que je fais, c'est que je vais venir directement chez toi, mon cœur. Comme ça, t'as pas besoin de me chercher.
Sur écoute le Belge. T'es sur écoute, 4 fois. Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'on est sur écoute là. Oui, vous êtes sur écoute. Et pas parano. Mais elle était complètement bloquée surtout. Vous êtes sur écoute. Non, non, on aurait dit, vous savez, une machine qui vous répond. Vous êtes sur écoute. Ah, répondeur, ouais. Vous êtes sur écoute. Oh putain de merde. Bon. À toi. Moi, j'étais à l'anniversaire du blaireau. Petit bruitage, s'il te plaît, au cas où. Qu'est-ce que c'est, quoi, le bruitage? Pourquoi tu utilises ça? Parce qu'il y avait un mec à la soirée de son anniversaire qui n'arrête pas de danser comme ça. Ouais. Il dansait comme ça. Tap 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 et il criait. Salut les filles. Imagine la soirée horrible. Non mais pas de soucis. Et a bien rigolé. C'était le seul d'ailleurs. C'était le seul, ouais, il se marrait. Il était là, comme un con tout seul en dansant. Comme ça. Allô. Excusez-moi, Cédric. Allô. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, toi, gros? Bah, je voulais passer à la baraque, là. Bah, viens, passe. Bah, je vais passer, parce qu'en fait, j'ai récupéré 2 toilettes d'alcool et un bon god pour le cul de ta femme. Bah, viens, passe, amène-le, espèce de connard. Je peux être là dans 5 minutes, c'est bon, t'auras les couilles de m'ouvrir, quand même. Ouais, bah, viens, j'attends, y'a pas de soucis, moi. Puis je crois que le god, il va passer dans ton cul, aussi. Ouais, bah, viens. Avant ou après ta femme, c'est toi qui décide. Eh ben viens, attends, mène-toi le cul, grand, parce que tu commences à me saouler, toi. Ça fait 3 fois que t'appelles, mais tu fais le mariole au téléphone, toi. Non, mais t'inquiète, je vais bien m'occuper de toi quand je vais arriver, puis ta femme aussi, quand même. Ouais. Bon, bah, je suis là dans 5 minutes, ma poule. Allez, à tout de suite. À tout de suite, et on va voir qui c'est le bonhomme. À tout de suite, et bisous. Tu fais le mariole, mais tu sers. Premier coup de fil, serrage. Bah, limite, j'ai même pas besoin de la méthode, quoi. Comme tu m'as remis. Mais quand même, j'ai placé, tu vois, la Bible. Et bah, tu vois, moi, je suis content parce que ta méthode, quelque part, met aussi en avant Cédric, puisque c'était pour son anniversaire. Ah, bah, justement, t'inquiète. Et ouais, et je trouve que c'est. Et Cédric est content que t'aies serré. C'est la première fois que je le vois sourire comme ça. Voilà, je suis en moins. Bravo, votez Romain, non, les gars. Ah, non, faites pas ça, non. Oh, c'est un truc de ouf. Il est vraiment le serrage. Oh là, il est vraiment trop fort. Oh, ouais. Voilà, t'inquiète. Non, ouais. T'inquiète pas, on verra les déclarations, mon pote. Ouais, non, mais putain, je te vois pas arriver avec tes gros. Non, mais t'es tellement heureux, tu fais le même sourire que tu fais sur tes selfies. Bon, tu sais, comme ça. Oh, trop fort. Bah, je mets pas mes doigts dans la comme ça. Allô. Ah, bah, tu les mets pas, le zizou. Allô, Julien. Julien. Jésus. Ouais, Julien, tu m'entends? Allô. Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, dis-moi, je t'appelais parce que là, je suis en galère ce soir, là. J'ai perdu les clés de chez moi. C'est qu'à de le dire. Et du coup, je voulais venir dormir à la maison. Mon petit Juju. Julien. Qu'est-ce qui se passe? Julien. Ah, mais là, il y a un problème pour Julien. Non. Silence, allô, Julien. Julien, est-ce que tu m'entends? Allô, oui. Ah, il est là, Julien. Oui, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Je comprends pas, qui c'est? Ben, je me présente, Michel, plutôt un beau gosse. Et je suis un de tes voisins, et je t'appelais parce que je suis en galère, j'ai perdu les clés de la maison. Du coup, ce soir, je sais pas où aller dormir, donc je pensais à venir dormir chez toi. C'est possible? Je sais pas qui c'est, Michel. Bah, justement, on va faire connaissance, mon cher ami. Mon cher ami. Je suis un de tes voisins. Et j'aimerais bien faire ta connaissance, mon chéri. Tu vois ce que je veux dire? Sexy. Limite te faire un petit câlin. C'est quoi ce truc, là? Bah, ce truc, c'est moi. J'arrive dans 5 minutes, je viens à la maison, on fait connaissance, je te fais un petit câlin et je dors dans ton lit, ok? N'importe quoi, là. Bah, si, allez, un petit câlinou. Ah non, moi je travaille demain. Bah, ce qu'on fait, c'est que Puis je suis pas homosexuel. Bah, je vais m'occuper de ta femme alors dans ce cas-là. Bah, j'ai pas de femme. Eh ben, dans ce cas-là, ça va être pour toi, mon chéri. Tu vas découvrir des nouvelles sensations, tu vas voir. Ouais, je m'en fous de tes sensations. C'est quoi là, cette connerie là? Une fois que tu vas y goûter, tu sauras plus dire non, tu verras, mon chéri. Allez, c'est bon les conneries. Tu sais quoi, j'arrive dans 5 minutes et on va discuter en face à face. Face to face. Non, mais y a pas de face à face. Si, Juju, j'arrive dans 5 minutes. Face à face? Non. Y a pas de face à face, c'est une grosse connerie là, c'est bon. Non, mais je vais m'occuper de toi, tu vas voir, ça va glisser dans tes fesses. Et hop là. Ah bah, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Ah, non. Tu vas t'occuper de mon anus? C'est moi qui vais m'occuper de toi. D'accord, bah pas de soucis, on peut faire comme ça si tu veux. Ok. J'arrive dans 5 minutes et tu t'occuperas de mes fesses, ok? Ok, d'accord. Génial, à tout de suite. C'est parce qu'il a dit, Cédric. Si, bah il vient non, de le dire. Il a dit qu'il allait s'occuper de toi, pas qu'il allait s'occuper de ton anus. T'es vraiment une salope. Juju. Mais toi, t'es vraiment un gros. Juju. Qu'est-ce qui t'arrive, Juju? Cette connerie, là. Je voudrais savoir si tu veux t'occuper de l'anus de mon ami, c'est important. Bah, y a pas d'anus, tout ça. Y a pas d'anus. Ah, désolé, Cédric. Ah, mais toi, t'es vraiment une saloperie, toi. Je suis pour la vérité, the verity, the truth. Non, mais t'as encore une crise de mythomanie, mais. Quand c'est toi, tu dis rien, quand c'est moi. Oh là là, mais tu veux pas arrêter de parler de moi, c'est vivant. T'as pas autre chose dans ta life que moi, parce que. Bah, dans ce cas-là, appelle d'abord, rappelle le mec, demande-lui si tu vas baiser avec lui. Bah, vas-y, rappelle-le. T'as jamais dit que t'allais baiser avec lui. Bah, rappelle-le, vas-y. Bon, Juju, merci de ta participation. Voilà, donc, Cédric. Bah, là, mais dis fou, les salopes.
ça pour ça, quoi. Arrête de dire Difool. Mais c'est la vérité. Non, mais attends, pour une fois qu'il dit pas Romano, laisse-moi dire Difool. Ouais, mais moi j'en ai marre d'être mélangé à vos histoires. Pourquoi tu lui demandes au mec? Bon, alors on passe maintenant au deuxième tour. Ah, c'est Romano, il a encore une crise. Je dis au revoir à Juju parce que je suis seul. Je compte par soirée combien tu dis de fois mon prénom. Romano. Bon, allez, on y va pour ton deuxième tour. Romano, déconcentre-toi pas, ça a bien démarré. Faudrait pas que ça se gâte là maintenant. File chez Daniel. Ouais. C'est parti, chez Daniel, vous êtes en plein. Allez, mon gars. Clash. Allô, Daniel. Allô, ouais. Ouais, comment tu vas? Qui c'est qui appelle là? C'est Jean-Louis, là, l'appareil, un copain de ta femme. D'Ivoire, elle est là ou pas ce soir? Jean-Louis. Mais elle me connaît. Elle est là, ta femme? Oui, elle est là, oui. Ah ouais. Bon, nickel, parce qu'en fait, je t'explique, la semaine dernière, là, j'étais à l'anniversaire d'un blaireau, mais un type fini, quoi. Il dansait, mais toute la soirée, comme ça, là. Et bon, pour en venir, que j'ai récupéré quelques bouteilles d'alcool et un bon gros god. Et je voulais le proposer à ta femme, parce que je sais qu'elle adore ça. C'est quoi, cette connerie-là, non? Je voudrais passer dans 5 minutes, là, à la maison, là. Pour câliner un peu ta femme, quoi. Ça te dérange pas, toi? Michel? A priori, si. Il est en train de se barrer, le con. Non, mais il s'est déjà barré, ça y est, parti. Ouais, je prends pas de rappel. Pourquoi tu le rappelles pas? Non, non, parce que lui, Non, tu le rappelles pas? Y a rien à en tirer. T'avais pas le feeling? Non. Non, et ben, on passe au troisième tour. Allez. Oh, mais je vote quand même Romano. Ah non, surtout pas. C'est très, très gentil. Faudra surtout pas faire ça. Va nous faire ton serrage le premier de la semaine, allez. Ouais, mais j'aimerais bien que t'arrêtes de parler sur mon truc, quoi. Non, mais je parle pas sur ton truc, je parle après ton truc. Et j'ai essayé de t'aider pour savoir s'il voulait vraiment se faire enculer, le mec. En fait, pas du tout. Mais oui. Il y a plein de messages de. Attention, ta chaise va craquer. Protestation. Je sais pas si vous avez entendu. Bah oui, il y a grave des messages de protestation. Je vois tes teams qui sont mobilisés, Cédric. Cédric, ça m'envoie des messages. Ouais, bien sûr. Bon, troisième et dernier tour maintenant. C'est là que tout se joue et après, vous votez. Hein. Allez. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, comment ça va, ma belle? Je crois que vous vous trompez là. Ah, c'est Gilles? Ouais, c'est. Excuse-moi, c'est qui, l'appareil? Bah c'est Michel, un de tes voisins. Je t'appelais parce que j'ai une petite galère là. Je suis devant chez moi là et j'ai perdu les clés de la maison. Du coup, je voulais savoir si tu pouvais pas m'héberger pour la nuit. Ah, je crois que c'est une plaisanterie là. Ah non, du tout. Je suis en galère. Hein, j'ai perdu les clés de la maison. J'habite à côté de chez toi. Du coup, je me suis dit tiens, je vais appeler un voisin. Je vais rester dans l'annuaire. Je vais appeler un voisin puis je vais demander qu'il m'héberge pour la nuit, quoi. Ah là, c'est pas possible. Pourquoi? T'es en galère? Je suis désolé, ouais. Je suis en galère. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dormir dans le même lit, hein. T'inquiète pas, hein. On va partager. On va partager le lit à deux. Allez, salut. Allô, mon chéri? Allô? Non, mais il est là encore. Tu m'entends? Parle, putain. Ah non, mais il parle plus, il a posé le téléphone. Parle, dis allô. Vas-y, raccroche, rappelle-le. Ça va faire un blanc à l'antenne. Attends. Ah, tu vois, il parle à sa femme. Ah bah oui, mais voisin, galère, je sais pas quoi. Mes bergers. Il raconte l'histoire à sa femme. Ouais, hein. Pip. Voilà. Tiens, ben, rappel. Pip. Ah, je prends un rappel. T'as encore un rappel là? Bah oui. T'as pas eu un rappel? Mais j'ai rien rappelé. Ah, mais tu prends un rappel là? Ouais. Bah, il prend. Bah, c'est le troisième tour. C'est le dernier tour, il a raison aussi. Bah oui. T'es, je vais pas le prendre demain. Non, parce qu'il n'y a pas de clash, ça serait con. T'as vu? Là, je te dirais, t'es encore plus con que t'en as l'air. Oh là, demain, je prends un appel, allez. Oh là, je prends un rappel. Rien à battre, rien à foutre. C'est parti. Voilà, je suis rebelle. Ta race. Bon, alors, tu prends le rappel, on prépare immédiatement le coup de fil de Romano, parce que j'ai l'impression que ça va répondre dans quelques secondes pour Cédric. Putain. Donc, on perd en rythme, là. Donc, on va enchaîner directement avec le coup de fil de Romano pendant que ça sonne et que ce rappel... Putain de merde. Allô? Tu m'énerves des foules ce soir. Non mais t'es toujours énervé. On parlait des gens qui sont toujours de mauvaise humeur. Ah, ce matin, t'es un tricheur. On parlait des gens qui étaient toujours de mauvaise humeur. Allô, vas-y, Cédric. Allô. Oui, bonsoir, c'est la femme de Gilles. Oui. Oui, je suis en train de parler avec ton mari là. J'allais venir à la maison pour dormir ce soir. Oui, c'est ça, oui. Oui, je peux venir tout de suite là. Ça résonne, hein, y a de l'écho. Ouais, c'est mon téléphone qui déconne. Il m'expliquait là qu'il était parti préparer la chambre là pour que je vienne faire un petit câlin avec toi. Ouais, oui, c'est ça, oui. Il est super gentil, hein. Moi, je suis là en galère ce soir, j'ai perdu les clés de la maison, du coup, je lui ai proposé de venir dormir à la maison, de te faire un câlin pour te remercier. Bah, essayez chez la voisine, elle est toute seule. Ouais, bah, le problème, c'est qu'elle est déjà en train de dormir. Vous aurez peut-être une chance, hein. Non, mais je vais venir tout de suite chez toi, ce sera plus simple. Allez, bonne soirée. Oh, allez, un petit câlin. Elle est gentille, elle te refile à la voisine. Bah, ouais. Voilà, exactement. Bon, mais, je vais quand même, pour te remercier, je vais quand même te faire un petit câlin, d'accord? A tout de suite, ma chérie. Allez, bonne soirée. Vous j'arrive. Le rire gêné. Hein, à tout de suite. Hein. Ah ouais. Non, je te comprends, mais. Bisous. Bon, à la prochaine.
Ouais, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Voilà, c'est encore je crois que j'avais un ticket, moi, par contre. Ouais, moi, je sens que. Ah, Diffoul, ouais, putain, là, l'écran. Je voterai pour moi, pour le clash, moi, là, sur ce coup. Bon, Romano, dernier coup de fil, et après, justement, on parle de vote. Et ça vote. Et t'as un rappel aussi. T'as pas pris de rappel, toi? Non, pas encore, non. Moi, je fais pas chier le monde. Prenant des rappels, tu décroches pas et ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est qui? Allô? Denis? Oui? Ouais, Denis? Ouais? Ouais, comment tu vas? Je porte plainte demain, t'as appelé 4 fois, t'as pas de bol. Mais je vais venir tout de suite, là, de toute façon. Moi. Eh ben ça va alors. Parce que j'ai un petit cadeau pour ta femme, un petit goût de Michet. Un petit goût de Michet pour ma femme? Eh ben c'est bien, mon pote. Et puis quelques litrons d'alcool que j'ai récupéré à la fête d'Amblero. Ça, c'est pour toi. Donc je viens dans 5 minutes et puis on s'éclate tous les 3. Ça marche. Voilà, et puis y a pas de souci. Salut. C'est... On va faire. Allô, t'as un rappel? Ah ouais, c'est vrai, ah oui, mais attendez, ouais, mais attends, on l'a appelé 4 fois ou pas? Bah non, normalement non. Non, non, attends, les gens qui me disent normalement en général, c'est c'est 2 fois. Et connaissant la mythomanie de certains membres de l'équipe que je ne citerai pas. Salut les filles. Je me méfie. Non, elle a pas appelé 4 fois. Non, mais t'es sur ton coup, je préfère renoncer. Je préfère renoncer à mon rappel plutôt qu'avoir un procès, oui. Bon, on l'a appelé 4 fois, vas-y, laisse tomber. Allez, on prend le risque. Non, la Belge qui est en prison. On prend le risque. En même temps, bon, je prends un rappel, en même temps, je suis invité, donc demande-lui s'il aime danser. C'est un peu comme ça. C'est pas toi, il y a 2 secondes, tu sais que tu prenais pas de rappel, tu faisais pas chez ton. J'ai rien demandé, moi là. Allô, Denis. Denis. Ah, vous avez voulu le rappeler, moi j'ai rien demandé du tout. C'est vraiment chier, quoi. Oh, le mytho. Mais moi je voulais pas le rappeler parce que j'ai serré l'appel d'avant. Denis, je vais lui faire l'amour à lui et à sa femme avec le goût de Michel et l'alcool. Bon, bah tout va bien, Denis, t'es content? Oui, je suis content. Oh, il est content. Oh, il est content. Ouais, attends. Bon, allez, top vote, vous y allez. 41759, skyrock.fm. C'est gratuit, c'est pas cher. L'appli Skyrock aussi, vous nous écoutez avec l'appli. Branchez votre appli, vous laissez vos messages. Vous pouvez même nous écouter sur la FM, laissez vos messages avec l'appli. Tout est possible, c'est merveilleux, Skyrock. Le grand réseau. Ouais. Et vos votes. Alors, pourquoi faut-il voter pour toi, Cédric? Bah, ce soir, faut voter, Cédric, parce que moi, méthode inédite. Et mon adversaire, donc, lui, a pris une méthode où il s'inspire de moi. Il vient fêter mon anniversaire. Pour ça, votez, Cédric. CEDRIC et tous ceux qui veulent contester contre monsieur l'arbitre. Tous ceux pas. Qui veulent contester contre monsieur l'arbitre. Ouais. Contester le fait que tu parles sur mes appels, tu demandes des vérifications. Est-ce que tu veux contester contre monsieur l'arbitre, Romano? Ouais. Non, mais pourquoi tu ouvres ta gueule là-dessus? Parce qu'il parle autant sur les miens que sur les tiens. Ah non, mais le mec il dit ouais, est-ce que tu veux faire l'amour avec mon pote? Non, mais ouais, parce que t'es un gros mytho! Mais jamais on fait ça avec toi! Mais pas de ta mythomanie! Mais ouais, mais moi je mitonne pas! Mais dans ce cas-là, pourquoi on le fait pas avec toi? Bon, de toute façon, parce que tu mitonnes pas, parce que je mitonne pas moi. Ouais, okay. On va voir. Ah, serrage magnifique, pas le dernier coup de fil, mais l'appel d'avant là, magnifique serrage, j'arrive avec le god, bim, on va s'éclater, ça va être la folie. Le mec m'attendait, il était heureux comme tout. Et à l'instant, une invitation avec la famille. Eh bien, ce soir, mes amours, offrons-nous le titre tous ensemble de champion du clash de la dague en votant. Champion du monde! En votant Romano! R-O-M-A-N-O! Qui sera le champion du monde? Diffoul, fais-toi respecter, fouleur des cartons rouges. Merci à toi, Charles Villeneuve. Moi, j'ai rien dit ce soir. Les votes, tiens, je regarde les premiers messages, comme ça, ça vous donne une idée. Je vote pour le magnifique Romano Nodi Noctis. Fraise Bleue, je vote Cédric. Marez, je vote Cédric. Romano, sans hésiter, pour Mistone. Salut Mistone. Je vote pour le PDHH. Bra. Romano pour Kilik. Salut Kilik. Romano pour Ghost. Cédric pour Monsieur Météo. On lâche rien, on vote Romano jusqu'au bout. Des millions de messages pour Diffoul. Je vote Diffoul pour son serrage. C'est vrai que j'ai serré pendant le clash. Mais ne votez pas pour moi, ça me fait très plaisir. Mais j'ai déjà beaucoup plus de votes que Romano et Cédric réunis. Donc ça va déstabiliser le clash. Ouais, c'est vrai, ouais. Votez Romano, c'est mieux. Cédric, allez-y, je vote évidemment Votez Romano. Cédric. Je vote pour Cédric, le Belge. C'est le message de Tonio du 33. Bon, ça vote. Allez-y, vous aussi. Comme je ne reste du clash, excuse-moi Damien, après on revient à toi. Non, parce que là, ça va gueuler, vous allez dire que je vous fais attendre trop longtemps, tout ça. Ouais, si je perds. Alors, je préfère autant attendre. 54% pour Cédric, 46% pour Romano. Ou alors, 54% pour Romano et 46% pour Cédric, d'après vous. Non mais t'as déconné sur le truc avec le Belge. J'aurais dû faire plus que ça. Ben là ça va être de ma faute maintenant. Vous savez que vous me faites chier les deux clasheurs là. Entre Cédric qui arrête pas de se plaindre et toi aussi. Tout le temps vous vous plaignez. Non mais t'as un peu chargé. En plus c'est Cédric qui a gagné le clash de la drague ce soir. Bravo Cédric. Je te crois pas, fais voir. Ah ben non. Toi, t'es mal, hein. Là, il m'a fait une blague à la. Non, mais de toute façon, aussi, je considérais que c'est entièrement de ta faute. T'as eu un stress dans le ventre. Si, c'est comme quand tu sais que tu vas avoir une sale note et puis qu'elle te la donne et. Non, mais de toute façon, j'étais entièrement responsable si je perds. Ça me faisait ça au bahut, moi. Bon, alors, les résultats du clash. Bon, alors, c'est quoi, oui? Alors, les voici, voilà. Cédric, tu fais 54%. Ou alors 46. Oh, les 46, mec. T'as voté pour qui, Damien, toi, pour le clash?
Alors moi j'ai pas eu le temps de voter, mais j'aurais voté pour Romano. Merci. Ah bah ça l'aurait peut-être fait gagner parce que. Eh oui. Non mais c'est entièrement de ta faute. Et Lucas, t'as voté pour qui toi? C'est ça. Ah bah pour personne non plus moi. Ah t'as pas. Ah oui, vous étiez au standard tous les deux. Eh non, bah... mais j'aurais voté pour Cédric, c'est bon. Ah, merci. Ouais, bah, t'as bien fait de pas voter. Eh ben, t'auras voté pour Cédric comme 54% des auditeurs de Skyrock. Ah, vas-y, ah, non, putain, ça casse les couilles. Ça se trouve, c'est de ta faute, Romano, aussi. Il a gagné. Alors, Romano, il a gagné. Romano, il a gagné. Les de peu, hein. Mais de peu. 54. Ah, tu sais que c'est de ta faute, hein, si Romano. Je joue si peu, hein. Voilà, je vais les saquer mercredi les deux, vous allez voir, je vais devenir un arbitre affect. Non je... mais là, non mais ça s'est un peu entendu. T'inquiète. Cédric sur son appel, bon c'était un peu. Bah, je voulais savoir s'il se faisait enculer ou pas. Bon au final. Bah là ils sont enculés au niveau des résultats du clash. Allez, prochain clash allez, mercredi, merci en tout à tous. Merci votes. À toute la team Romano, merci. Merci mes amours. Bon et on appelle. Merci,